Bienvenue dans cette vidéo qui va vous permettre de réussir votre intervention auprès des jeunes. Les mots-clés importants sont le partage d'expériences et de connaissances. Je vais vous donner mes meilleurs conseils pour faire de votre passage un moment marquant et utile pour ces jeunes. Pour y parvenir, gardez en tête trois objectifs pédagogiques. Le premier consiste, bien sûr, à faire la découverte de votre métier et de votre secteur d'activité. Partez du principe que les élèves ne connaissent pas votre domaine, donc il est essentiel de le présenter pour expliquer votre métier. Par exemple, je m'appelle Sixtine, je suis animatrice et technicienne vidéo chez MyFuture, une entreprise qui aide les jeunes à trouver leur orientation et qui fait donc partie du secteur éducatif. Donnez autant d'exemples concrets que possible pour décrire votre métier. Un boulanger, par exemple, peut dire qu'il vend du pain, achète la farine chez un agriculteur local et ainsi de suite. Plus vous expliquez avec des détails, mieux ils comprendront votre métier et c'est exactement ce qu'on veut qu'ils comprennent bien. Si votre métier peut se faire dans différents domaines, montrez-le. Un ingénieur, par exemple, peut travailler dans l'aéronautique ou dans l'agroalimentaire. Cette polyvalence pourrait être un élément que les jeunes recherchent. Mais attention aux mots techniques. Utilisez des images simples. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans une machine industrielle peut dire qu'il fabrique des objets en verre, comme s'il cuisinait un gâteau. Il prend le moule, place le matériau dedans, le cuit, l'emballe et pouf, voilà, c'est prêt à être vendu. Le deuxième objectif pédagogique, c'est de découvrir un environnement de travail. Ici, on cherche vraiment à rendre votre univers le plus concret possible. Voyez ça comme une pièce de théâtre. On commence par poser le décor. Montrez-nous des photos de votre bureau, votre matériel, vos réunions, bref, tout ce qui rythme votre quotidien professionnel. Passons ensuite à la mise en scène, solo ou en équipe, terrain ou bureau, horaire, tenue de travail, bref, tout ce qui façonne votre job. On veut des détails et des informations pratiques. À partir d'ici, les jeunes auront une base solide sur ce qu'est votre métier et votre environnement de travail. Entrons maintenant dans des sujets plus spécifiques. Quelles qualités sont nécessaires? Par exemple, si votre métier a des enjeux particuliers en termes de mixité ou d'impact environnemental, c'est important à souligner. Votre témoignage peut vraiment casser des stéréotypes et encourager les jeunes à élargir leurs perspectives. Comme je disais plus tôt, plus votre récit sera imagé, mieux il restera dans les esprits. Vos anecdotes peuvent concerner votre métier actuel, mais aussi votre enfance ou votre parcours scolaire, tant que le message à faire passer aux jeunes vous semble juste. Et enfin, on aborde le dernier objectif, aider les jeunes à se projeter dans des formations. Pour rendre votre présentation plus complète, faites le lien entre votre métier et les cours qu'ils peuvent suivre. Un guide touristique évoque ses cours d'anglais, un archéologue rappelle ses cours d'histoire, etc., etc. L'idée, c'est de valoriser les matières scolaires dans la vie active. Dites-leur quel type d'élève vous étiez, de scolaire à Cancre, il n'y a pas de mauvais exemples, rassurez-vous, mais que des mises en situation. Si vous n'aimiez pas l'école, peut-être vouliez-vous rentrer plus rapidement dans la vie active. Si vous adoriez l'école, au contraire, peut-être avez-vous poursuivi vos études. Toute expérience compte. Réussite, échec, redoublement, réorientation, montrez-leur que tout chemin mène quelque part. On compte sur vous pour casser les clichés et combattre les stéréotypes. Lorsque vous présentez votre parcours d'études, commencez par le décrire dans les grandes lignes, sans entrer dans des détails. Le nom exact du diplôme ou de l'université, ça parlera pas forcément toujours aux jeunes. En fonction des questions, des réactions et du temps qu'il vous restera, vous pourrez librement revenir sur les détails en les expliquant toujours avec des termes simples. Et voilà, vous êtes prêts à éveiller l'envie et la curiosité des jeunes. Je compte sur vous.